La grâce et la paix vous sont données, frères et sœurs, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nos pieds ont foulé les chemins tout au long de la semaine. Notre dos a porté le poids de nos soucis. Voici le temps de l'étape et de la pause. Un temps de chaleur, de lumière et de repos. Un temps où notre Seigneur nous précède, où il nous accueille, nous nourrit et nous restaure. Un temps où il nous offre une fraternité humaine et nous rend disponible. Amen. Ensemble, nous louons le Seigneur. Quand nous regardons derrière nous, Seigneur, et que nous voyons tant de chemins parcourus, avec ta présence rassurante à nos côtés, tant de sollicitude de ta part, tant de fidélité, nous ne pouvons que nous exclamer à la suite de Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dès lors, dans cette assurance où nous puisons force et confiance, nous te louons. Pour ta joie qui irrigue nos actions, nous te louons. Pour ta bonté qui transforme nos regards, nous te louons. Pour ta fidélité qui nous donne souffle et courage. Amen. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi aujourd'hui dans la repentance. Nous voulons maintenir en nous l'attention de l'Évangile, l'urgence de l'appel que tu nous adresses. Nous nous sommes habitués à la grâce. Pardonne-nous notre ingratitude. Nous nous sommes enfermés dans la routine. Pardonne nos habitudes. Nous avons oublié notre conversion.
pardonne notre lassitude. Nous te demandons de guérir notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, un cœur brisé pour la prière, un cœur tendre pour l'Évangile, un cœur pur devant ta parole, un cœur d'enfant pour la louange, un cœur en quête de ta présence, un cœur humble devant le prochain, un cœur qui espère pour le lendemain. Aujourd'hui, ton Évangile est là, au milieu de nous, qu'il redevienne la lumière de notre journée, la source de notre liturgie, le sel de nos pensées et la grande nouvelle de notre vie. Et nous écoutons maintenant les paroles de pardon. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père, et tout ce qu'il possède, il nous le destine. Le jour de son baptême, il a reçu une parole : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Cette parole nous est aujourd'hui adressée : Tu es mon enfant, dit Dieu. Aujourd'hui, je t'engendre à nouveau. Aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, je fais toute chose nouvelle. L'évangile de la grâce et du pardon est pour toi parole de guérison. Amen. Je vous invite à confesser notre foi. Je crois au Dieu de la Bible. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain : Où es-tu ? Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain : Pourquoi as-tu fait cela ? Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain : Qu'as-tu fait de ton frère ? Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans un désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri. Il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus de Nazareth. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit, auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen. Avant de lire la Bible, nous prions. Nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, toucher notre cœur et notre intelligence, donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Dans les trois lectures qui nous sont données pour ce dimanche, nous trouvons le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Le psaume 23 est sûrement le plus connu des 150 psaumes que l'on trouve dans la Bible. Il ne fait que 6 versets, et pourtant, il est connu parce qu'autrefois, on l'apprenait par cœur au catéchisme. Toute une génération connaît ce psaume par cœur. Ce psaume est un chant composé par David et il exprime une totale confiance en Dieu. Mais quand on regarde le psaume 22 qui le précède, on est étonné de constater qu'il est très différent du psaume 23. Parce que dans le psaume 22, le psalmiste exprime un désespoir total. Autant le psalmiste exprime son désespoir dans le psaume 22, autant il exprime sa confiance en Dieu dans le psaume 23. C'est d'ailleurs dans ce psaume 22 qu'on trouve la parole « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 22 est une prière de désespoir par laquelle le psalmiste exprime, dans le moindre détail, toute sa souffrance et toutes ces questions sans réponse à Dieu. Au psaume 22, verset 15, on a même le sentiment que le psalmiste reproche à Dieu de le faire mourir. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Lorsqu'on passe du psaume 22 au psaume 23, on passe du désespoir total à une confiance totale. Et quand on lit les deux psaumes à la suite l'un de l'autre, on est très étonné de ce changement radical. Que ce soit dans l'un comme dans l'autre, le psalmiste exprime toujours à Dieu ce qu'il ressent au plus profond de son cœur. Il est toujours en vérité devant lui. Il ne lui cache aucun des sentiments qu'il ressent dans l'épreuve comme dans la joie. Quand il est débordant de confiance, il le confie à Dieu. Et dans le psaume 23, on a l'impression que rien ne peut altérer cette confiance. Le fameux verset 4 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi », décrit un croyant dans l'assurance absolue que Dieu ne l'abandonnera jamais, et surtout pas quand il devra mourir. Et puis arrive le verset 5, un verset plutôt mystérieux. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Pour comprendre ce verset 5, il faut connaître des règles qui existent mais qui ne sont pas écrites. Dans le désert, il existe effectivement des règles qui ne sont pas écrites mais qu'il est indispensable de respecter. Elles sont très importantes car elles peuvent sauver la vie de quelqu'un. Par exemple, si l'on traverse le désert et que l'on trouve quelqu'un sur son chemin qui est arrêté, on est obligé de s'arrêter aussi pour lui demander si tout va bien. Il faut lui demander s'il a suffisamment à manger, s'il a assez d'eau à boire et s'il n'est pas malade. On ne peut pas reprendre sa propre route sans s'être inquiété de la personne qui est arrêtée. Avant de repartir, il faut s'assurer que tout va bien pour cette personne, et si elle a besoin de secours, alors on sera obligé d'interrompre son propre voyage pour lui venir en aide et la mettre en sécurité. C'est une question de vie et de mort, et cette coutume permet à tous ceux qui sont en difficulté dans le désert d'être secourus par le premier qui passe et qui sera obligé de s'arrêter. Le verset 5 du psaume 23 fait allusion à une autre règle qui n'est pas écrite. C'est une tradition d'hospitalité qui se pratique encore aujourd'hui dans le désert. Le désert reste toujours un endroit hostile et plein de dangers. D'abord, on peut se perdre dans le désert, surtout si on n'a pas de guide.
On peut se retrouver sans nourriture, ou encore pire, si on se retrouve sans eau, c'est la mort assurée. On peut aussi se faire attaquer ou détrousser, surtout si on arrive, comme parfois aujourd'hui, avec un beau 4x4 tout neuf qui peut faire des envieux. Malheureusement aussi, à cause du terrorisme, aujourd'hui, on peut se faire enlever pour être échangé contre une rançon. Lorsqu'on est poursuivi par des personnes qui nous veulent du mal, il faut absolument trouver quelqu'un qui pourra nous venir en aide, nous accueillir et nous protéger. Il existe une tradition dans le désert qui consiste à accueillir quelqu'un à sa table pour le protéger. Celui qui est en danger doit absolument se réfugier chez quelqu'un qui sera prêt à l'accueillir, à le nourrir et à l'abriter. Être invité à la table de quelqu'un, c'est en quelque sorte être sauvé, avoir véritablement la vie sauve. Si on est poursuivi, on échappe ainsi à ses poursuivants et on accepte de se mettre sous la protection de celui qui nous reçoit, qui nous invite et qui nous sauve de tous les dangers. Tant qu'on est au bénéfice de son hospitalité, on reste sous sa protection et on devient véritablement intouchable. Cette tradition d'hospitalité est toujours pratiquée encore aujourd'hui et pour beaucoup de clans, de tribus et de peuples, elle reste sacrée. Ce verset 5 du psaume 23 fait aussi allusion à plusieurs des traditions qui se pratiquent encore aujourd'hui dans le désert et qui consistent à accueillir quelqu'un en lui lavant les pieds, les mains, le visage, en lui parfumant la tête et en lui servant à boire, en l'accueillant à sa table pour qu'il se restaure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pour nous aujourd'hui, les adversaires sont nombreux. Dans cette période difficile que nous vivons, cela peut être la solitude, la maladie, la peur d'être touché par le virus ou la crainte de perdre des proches à cause de l'épidémie. Pour d'autres, la perte de leur emploi, l'inquiétude du lendemain pour beaucoup d'entre nous, et même pour certains, l'angoisse qui les paralyse complètement. Nous aimerions, nous aussi, face à tous ces adversaires, avoir la foi du psalmiste qu'il exprime dans ce chant, qui est aussi une prière de louange. David est sûr et certain que Dieu est un Dieu hospitalier, un Dieu qui accueille, un Dieu qui protège, un Dieu qui restaure, un Dieu qui redonne des forces et qui est un véritable bouclier contre tous les dangers. Si nous croyons nous aussi en ce Dieu-là et que nous voulons témoigner de ce Dieu-là dans notre monde, alors nous savons ce qu'il nous reste à faire. Pour témoigner d'un Dieu d'amour, nous sommes invités à nous aussi accueillir, protéger, restaurer, redonner des forces à ceux qui en manquent et protéger ceux qui sont en danger. Il nous faut offrir l'hospitalité à tous ceux et celles qui se sentent en difficulté dans notre société, dans notre monde. Tous ceux qui crient leur désespoir, comme David le fait dans le psaume 22. Tous ceux qui appellent Dieu au secours. Dieu a besoin de nous pour leur répondre et leur apporter du secours et du réconfort. Dieu a besoin de nous dans ce monde pour dresser des tables, verser de l'huile sur les têtes pour guérir et parfumer, faire déborder les coupes de tous ceux et celles qui ont soif d'eau, mais aussi de justice et de respect. Ce psaume, plein de confiance en Dieu, est prié depuis plus de 2000 ans. Et depuis plus de 2000 ans, l'Église essaye toujours de témoigner de ce Dieu hospitalier qui est venu se manifester dans notre monde en Jésus-Christ, mais qui n'a pas trouvé un monde très hospitalier. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a besoin de nous pour rendre ce monde meilleur et plus hospitalier. Amen.
invite à la prière d'intercession. Nous te remettons toutes celles et tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes, comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Amen. Et ensemble, nous prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la parole d'envoi. Le Seigneur n'est pas enfermé dans un temple ni dans un bâtiment. Il nous a choisis pour y faire sa demeure. Il accompagne nos pas partout où nous allons. C'est à nous de le rendre présent pour les autres. C'est à nous de témoigner de son amour. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait de vous des enfants de lumière. Il vous accorde sa grâce à jamais. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.